Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu encore en base tour, donc on a beaucoup modifié la base. Donc je vais vous montrer ce que Johanna l'a fait, ce que Blackbird et Squid ont fait, et ce que tout le monde a fait. Donc en gros ici on retrouve dans une farm à melon d'eau automatique. Donc comme vous pouvez voir c'est une farm automatique qui fait environ 500 melons pendant une heure je crois, 500$ pendant une heure. Donc c'est pas encore optimisé full opti, mais ça reste quand même 500$ gratuit, juste en restant dans la base, en se promener, en rangeant les coffres, etc. Donc on va commencer par ça, ensuite dans les spawners golems, comme vous pouvez voir, on en a rendu avec, si je me trompe pas, 2, 3, 5. 5 spawners à golems, on va les vendre de fer après, inquiétez-vous pas. Un spawner à piggy ici, 2 spawners à piggy qui tombent ici, justement ici. Je vais aller les rendre actifs pour vous montrer tout ça. Donc... juste par en haut ici, attendez un instant. Ici, il y en a un. Je vais vous montrer tout ça, inquiétez-vous. Donc, ouais, c'est quand même un peu compliqué parce qu'on s'est servi des spawners qui étaient dans... Ça, c'est la surface. On s'est servi des spawners qui étaient dans le mineshaft. Donc, quand même pas mal difficile à gérer. Donc, attendez, descendez ici. Donc, vous voyez, il y a un spawner là et un spawner là-haut. Donc, ça fait 2 spawners. Et les 2 spawners sont reliés, donc ça fait que tous les meubles tombent juste ici. Hop là, juste ici. Mais de toute façon, on va agrandir ça va être beaucoup mieux fait. Comme vous voyez, Johanna a déjà commencé à faire des baraques où on va pouvoir stocker des coffres et tout. Vraiment, c'est juste, ça sert un peu à rien, mais c'est pour de la décoration, c'est quand même swag. Donc voilà. Comme vous voyez, un spawner qui était là, ça c'était celui qui reliait à l'autre, comme par le petit couloir. Un éléphant qui donc, se balance. Ouais, voilà, ça c'est Johanna. Oh, une étoile. Va dormir. Non, attendez. Non. Attends, je fais une vidéo là. Attends. Ouais. Ah merde. Je suis en vidéo là. Oh, merde. Bon, va dormir. On se parle demain. Non. Si, tu vas dormir. Je suis dans mon lit là. Ok, d'accord. Donc, je disais, donc ici vous pouvez voir, il y a là... Il y a le fer qui est là. Donc on va tout récupérer parce que les fleurs, en fait, ils se récupèrent automatiquement. Ils s'en vont directement dans une autre coffre. Donc c'est quand même un truc vachement automatique, si on peut dire ça ainsi. Les fleurs se détruisent en allant là. Ils se détruisent automatiquement dans la lave. Donc putain de système quand même fait par Squid. Ici, on a un autre spawner à Pig Zombie. Donc vous voyez qu'il est quand même vachement efficace. Pourquoi? Parce que ben, il y a le spawner d'en haut. Et puis on va juste rajouter le spawner à chaque fois parce que ben, c'est lui qui est le mieux placé dans la base en bas. Sur le côté ici on a un petit champ de verrues du Nether. Donc on va en faire un automatique bientôt je pense. Pour l'instant ici il y a Black et moi qui va créer un truc de melon d'eau. Un melon d'eau qu'on récolte à la main quoi. Faudra miner un de hauteur ici je crois parce que c'est un de trop bas. Ensuite, t'es sérieuse là? Ici il y a des machines à potions speed et heal automatiques qui sont désactivées, faut juste les activer en faisant ça. Mais bon, détail. Ensuite, bon, il y a les coffres ici sur les côtés. Il n'y a pas grand chose à vous montrer. Hein. Ici, c'est pour la machine à potions. C'est pas mal sûr l'avancement de notre base. Donc, comme je vous ai dit, les maisons que Johanna avait fait, les spawners à golem ici, on va toujours en rajouter. Parce que comme vous voyez, ça fait à peu près 15 minutes que je les ai récoltés. Puis c'est déjà rendu là. Donc, c'est quand même vachement OP. Fait que c'est ça qui est ça. Je vais tout tuer les piggy qui est là. Et on va aller vendre tout ce que j'ai dans l'inventaire. Ils ont rajouté des trucs à vendre au shop. Donc ça c'est un truc assez intéressant. Je joue, on entend ton clavier. Oh merde. Oh merde. Et je sais que t'es pas en train de texter, donc allez. Stop texter là. Donc je vais vendre tout ça. Je vais juste aller voir en bas vite fait s'il n'y a pas de trucs à vendre ici. Nope. Ah, peut-être ça. Et là, il n'y a rien. Donc nickel. On va acheter ça. On va mettre la stone ici parce que je joue à besoin de la stone. Donc on va mettre la stone là. Hello. Ah si, c'est à moi. T'es sérieuse là? T'es bien mieux, tu vas spam, hein, tu vas regretter. On va faire des lingots avec ça. Il fait chaud, mets-toi à poil. C'était quoi ça qui était marqué? Non. On chante any knockback. C'est pour enlever le knockback. Ah c'est pas mal ça. C'est pas mal. Pour enlever le punch, il y avait aussi un truc pour enlever le punch. Là, il y a un truc pour enlever le knockback. Ça va, c'est pas mal. Donc, on va vendre tout le fer qu'on a. Puis après ça, on va aller aider Blackbird à créer la farm à melon. Et puis, ça serait sympathique que mon deuxième téléphone arrête de sonner. Putain, ça me saoule. Donc, 1321. Donc, vous voyez, ça nous fait 1000$ environ en une heure. Donc, c'est quand même vachement OP, si on peut dire ça ainsi.
Est-ce qu'on a le slashcraft? Oui. Donc on va pouvoir faire ça. Tac tac. Ça va pas nous en faire beaucoup, mais bon. Ça reste quand même 4 trucs. Ils ont rajouté l'or et les verrues du Nether aussi à vendre, si vous ne saviez pas. Donc les verrues du Nether. Ça vaut la peine d'être vendu parce que 5 chacun et ça pousse super rapidement. Si on les mine avec fortune, ça va nous donner en double. Donc ça peut quand même vachement intéressant. Donc voilà, il y a des petits lags sur le serveur que je sais pas si vous les ressentez dans la vidéo, mais moi je les ressens. J'ai des petits genres de mini rollback, pas grand chose, mais quand même. Ah, il y a un truc d'or là. On va juste prendre le truc d'or parce que je suis un gros kikou. Voilà. L'épée en cobble, on s'en fout. Les deux speeds et les speeds 8, donc pas tellement intéressant. Fait que voilà, donc ça c'est pour retirer le knockback. Vous n'avez pas un any. Ok, ça veut rien dire, mais bon. Ils ont enlevé la machine à punch, j'imagine. Non? Ouais, ils ont enlevé la machine à punch. Mais bon, bref. Moi j'ai un arc ici, Power 5, que je me suis fait. J'ai aussi un livre qu'on va remettre ensemble. Donc j'ai des bouteilles d'XP ici pour enchanter aussi. On va aller des Blackbirds directement, les amis. Je pense que c'est la meilleure chose à faire en ce moment. Sinon, je peux peut-être vous montrer les formes si vous voulez. Mais bon, il n'y a plus grand-chose aux formes, je ne vais pas vous mentir. On va faire home coffre. Il n'y a plus grand-chose au truc. Il n'y a pas rien en fait, je pense. Je ne suis pas sûr. Il n'y a rien. Ouais, il y a juste un jukebox. Du blé, des bleus. En fait, on va tout prendre et on va se tirer d'ici. Ah, il y avait de la vite ici, Jojo. Ah, toi qui voulais de la vite, il y en avait genre un stack. Il y avait genre 4 stacks de stone aussi, mais détail. Ici, ça s'est fait piller, je pense, en fait. Je suis pas sûr. Non, le spawner squeletton, il est encore là. Donc on farm ici. Ah non, c'est pas ici, ça c'est rien, ça sert à rien, ça. On va juste mettre ça là, comme ça. C'est ici. Donc ici pour l'instant ça sert pas à grand chose à part que des farms. Donc vous pouvez voir il y a une farm à cactus là, farm à cactus, what the fuck, à melon et farm à canne à sucre. Pour l'instant c'est juste vraiment des farms. En gros on a plusieurs hommes pour farm parce que comme vous savez ben c'est là que c'est ce qui nous ramène toute la thune. En fait je pense aussi que c'est la base de Keshok, je vais pas montrer les coordonnées, mais voilà. Donc on a un spawner ici pour XP au calme. Les bonnes mines nous servent à faire une mini machine que je vais essayer de vous montrer plus tard avec le blé. Avec Blackbird je pense qu'on va la construire la mini machine, non? Je sais pas, faut voir. Faudra voir, mais ouais ça peut être intéressant. Je vais juste ramener de la stone, je vais ramener de la canne à sucre. Les carottes je vais les prendre. Et on va y aller comme ça je crois. On va juste vite regarder qu'est-ce qui se cache ici, s'il n'y a pas des trucs qu'on pourrait vendre. Coffre à Wither. Ah ouais ça c'est l'iPhone donc en gros ouais. On va voir. Ah, il y a ça qu'on peut le vendre. Donc on va laisser la stone ici. Jojo, t'es même pas venu au F1, mon pote. Il y a genre des doubles coffres et des doubles coffres de stone brick. Elle est trop endormie, elle comprend rien en ce moment. Donc je vais texter avec ses copines. Bloc de gold, ça je prends ça. Je vais juste fouiller dans les coffres de tout le monde pour vendre les trucs qu'on peut vendre. Après ça, c'est pas très grave. Hein. C'est pas comme si j'allais voler tout plein de trucs. Bah si, mais bon. Détail quoi. Ça. Ça, on va prendre ça, on peut le vendre. Puis on va aller aider Black après. Ce que j'ai fait 10 millions de fois que j'ai dit, mais je l'ai fait pas, donc voilà. Là ici il y a les os et les trucs là. Super. Et là il y a. Je sais pas quoi. Ok super, bon, bah, on va aller vendre ça au spawn. Et puis après ça, on va aller aider Black. Et puis c'est ça. Fait qu'en fond, c'est pas mal ça que vous allez me voir faire durant la série des farms, farmer et tout. Parce que ben, le serveur, les amis, vous avez compris que c'est ça. Le but c'est de farmer et puis d'aller vendre vos items. Donc nécessairement, c'est certain. Que vous allez me voir faire ça des fois. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui ont claim le spawn, ça sert un peu à rien les gars là. Bizarre un peu. On va aller vendre du soin. Ah il y a Deddy, notre pote Deddy, il est rendu bientôt à 20 000 je crois. Hein. Deddy Baltop. Deddy ouais. Il est dans les premiers. Il est. Ça c'est l'admin, ça c'est le modo. Et après. Deddy il est quand même quatrième en vrai. Attends. Ouais, vu que les deux premiers c'est des modos admin. 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben t'as assez pour ton kit mec. Mais non, c'est 23 000. C'est 23 000 le kit que tu veux prendre? Ouais, C'est lequel que tu mais veux je vais prendre? faire... Explosif. Tu veux Je vais prendre faire une machine à explosif? patates. Ouais. Une machine à patates? Mon pote, j'ai plein de patates pour toi si tu veux. Non, mais Attends. t'inquiète. Tiens, on va faire une machine où genre t'as juste à Ouais, faire justement. 3 Avec et... les bonnes mille, c'est ça? Ouais. Ouais, voilà. C'est la même chose qu'on va faire pour le blé en fait. Je crois que c'est... C'est une bonne idée. Je joue, putain, c'est quoi ça? Le Ça gros fait trop bris peur. méga fur. Attends. Mais non, mais pourquoi tu t'es barré? Ah bah attends, les dispensers, Ah ils mais marchent pas. t'inquiète. Je crois. Les dispensers marchent pas? Je crois, ouais. Ah chaud. On peut vendre la canne à Bon, on va sucre ou faire. pas?
Bah pourquoi il y a des gens qui ont fait des champs de canne à sucre, sont trop cons. Pour les livres. Ah ouais. Ok, elle est en train de se péter le bras, je sais pas trop ce qu'elle fout. Tu devrais aller dormir, mademoiselle. Je dors là. Ok, parfait. What the fuck. C'est la vidéo la plus what the fuck que j'ai fait de ma vie, hein, vous le saurez, les amis, pour ceux qui ne savent pas. Donc aujourd'hui j'ai pas de lucky box, j'ai pas de clé à ouvrir, c'est dommage. Parce que j'ai pas encore posté le deuxième épisode. Donc c'est un peu... What? On peut en acheter une pour 2000. On a jeté une ou pas? Ouais. Ouais. C'est des trucs pour clé magique. Je devais acheter la pioche. Hein. Ouais mais... Ouais mais Balek, on en a jeté une. Balek oui. Allez, on va essayer d'avoir un truc bien, ce serait pas mal. Ce serait pas mal du tout en fait. J'ai eu de la TNT putain. Le truc qui sert à rien. Ah là là. Ouais c'est vrai, faut que j'achète une pioche pour les spawners, pour miner les deux spawners. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va aller farmer le melon. Oh, ça lag. Comme vous voyez, comme je vous ai dit, les serveurs ils lag parfois souvent. Donc on peut pas ouvrir les... Ouais. On peut pas ouvrir les trucs. Comme ça, c'est un peu dommage. Je pense que ça vient de la 1.8 vu que c'est en 1.8, comme vous savez. La 1.8 fait beaucoup lag. Mais c'est pas grave. Je pense qu'ils sont en train de corriger ce problème-là. Donc ça va pas. Devrait pas tarder à être réglé. Oups, là, j'ai marché sur ça, j'espère que ça va pas casser. Et on va sortir ici. Pourquoi j'ai fait de mon home là-dedans? Je suis vraiment con. Icons. Ouais. Pourquoi tu t'es barré de la convo Skype? Ah parce que ça me sert à rien, ça spawn toujours et... Je vais faire un convo, on a fait une nouvelle convo. C'est ton vidéo. Donc c'est super, on va... ben il dit comment les gars? Donc on va aller aider Blackbird. Blackbird, t'es où mon pote Blackbird? Ok. Attends, je vends. Je vends 3 stacks. Attends, j'ai combien? 4 stacks. Je vends 4 stacks. C'est terrible, j'avais déjà fini 6ème. T'inquiète, t'inquiète. Eh hey, mais comme ils vont se faire incendier... avec Isaac et tout là avec la, le stall de l'appart, vu qu'ils sont partis avec avec l'argent de Candy PVP là, ils vont se faire insulter fantôme lui et tout. Vu qu'ils ont fermé leur serveur de merde là. Oh ça va pas être beau mec. En plus j'ai l'entrée exprès non. Bah ça, je sais pas, dans les termes de conditions c'est marqué qu'il peut se barrer quand il veut quoi, donc ouais je crois que c'était voulu quoi. Il faut en plus Malfox il venait de poser de la thune. Ouais, le jour avant mec, ça se fait pas. Oh là là. Ouais, du coup on peut pas crafter le dispenser. Je sais pas comment je vais faire cette putain de machine. En gros, tu veux je vais aller chercher les seaux d'eau moi, ok? Ouais c'était ce que j'étais parti faire mais... Bah j'en ai déjà en fait, j'ai mon kit de merde là. T'en as deux? Ouais. Bien sûr c'est fini. Ok. Je les ai mis ici tantôt. Ah. Il faut de la terre. Voilà. La terre? T'as pas de terre? J'en ai vite fait, j'en ai un peu moins. 24 je crois. Et ouais j'en ai 24 plus 9. Ben 9 c'est de la terre, la grâce d'or, la grâce bloc, donc on va pas l'utiliser ça, ok. Ça on va le garder, attends. Hop là. Comme là ça. Il est bien pour les pigs. Ah si, il y en a 4 stacks ici mec, tiens. Tiens Black. Je suis fou. Bah ouais mais lance des trucs quoi. Des trucs, mais qu'est-ce que tu fais avec des œufs d'araignée et tout mec, t'es con. Je fais la source dans le coin ici. Super. En vrai, je crois que tu mets à aux deux extrémités, c'est bon, non? Ouais, c'est bon. Super. Faut mettre à chaque deux blocs, en fait. Ah, c'est pas mal. Ah ouais. Je connaissais pas ça. Je parle de quoi? Ma MDR j'ai touché 0. Moi je sais qu'il a touché 0 en fait, mais les autres ils savent pas. C'est juste Gary qui a touché là-dessus. Ah là c'est dommage. Faudra qu'il explique en vidéo parce que sinon ça se fait pas trop. Faudra qu'il s'explique le petit garçon. La dernière source je la mets ici Black ou pas? Attends, 1, 2, 3. Non, il n'y a pas besoin de source là, non? Non, tu faisais que dans les trous. J'ai touché 0, ferme là. Isaac. Stop. Réponds. Pas. Toto. Ça
ça sert à rien. On sait que tu t'es fait baiser anal. Je respecte rien. Non, moi en vrai je supporte à Isaac, mon pote, il était juste admin, il était pas fonda, il a pas touché aucune thune. Et je sais très bien parce que voilà. C'est quoi 1-0, il y a un match de foot? Ouais, je crois. Et genre les gars ils restent devant Minecraft juste pour le dire devant les autres, s'il te plaît, t'es sérieux là? Mais c'est pas un match de foot hein. Pourquoi ils disent 1-0? Ils disent c'est 1-0, je sais pas. Ouais, ça invente une life. Qui voulait marquer plus 1? Dans le sens plus 1. Ah ouais ouais t'as raison. Tiens j'ai mis l'eau partout. Ouais 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 ouais. Peut-être faudra mettre des touches parce que moi perso je suis en... J'ai le truc à fond mais... Ouais ça prend des torches pour que ça pousse t'es sûr? Ça pousse plus vite avec des torches. Non mais pas de torches les graines ils vont s'enlever tout seul. Ok bah je vais aller chercher des torches après si tu veux. Wow, what? Je jure, tes messages, ils arrêtent pas de s'envoyer, en fait. Genre, j'ai toujours le bruit du vibreur. C'est normal. Ok, elle dort. Faites pas de bruit, s'il te plaît, les gars. Il s'est vraiment endormi ou pas? Attendez, attendez, je vais voir. Une seconde, les gars, je reviens. Ouais, elle s'est endormie, en fait. Elle dormait, donc j'ai les moves du channel pour pas qu'on l'entende ronfler et tout. Par respect, quoi, voyons, voyons. Et ça se peut qu'elle revienne, hein. Ça se peut qu'elle se réveille, elle va faire ouais pourquoi je suis tout seul et elle va revenir. Enfin bon bref, tout ça pour vous dire que c'est une fragile, donc elle s'endorme. C'est comme une merde devant son portable. Incroyable. En fait, je crois qu'elle a amené le micro de son PC à son lit, puis elle s'est endormie avec. C'est souvent ça qu'elle fait quand on écoute des films et tout, donc ça prend pas. Attendez, je vais juste boucher ça un peu plus haut. Donc c'est ici qu'il faut. Non. Ouais, non, non, c'est un peu plus haut. Donc. Comme ça. Voilà. Genre avec leur Isaac Hall, s'il te plaît. Stoppez ça, c'est qui cool, les gars, faites pas ça. Vous devez dire Icons Hall, ça c'est bien. Aucun il va se faire ban, hein. Je rigole même pas. Il fait trop le thug. C'est qui? Aucun. Comme sur Cafection. Tac 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 comme ça on n'aura pas à miner en dessous donc comme ça ou oh, voilà je suis tombé. Est-ce qu'ils ont fixé le bug des legs ou pas sur GTA? Tu sais le bug des legs quand tes legs broke tu down presque immédiatement. What? Ah y a ton poteau qui t'a fait un don. Qui ça? Goreg. Sérieux? Ouais il est là. Goreg je l'ai invité mon pote. Gorek, mon pote, il est rendu mon pote sérieux en vrai. Il est déjà dans ma faction. Ouais je sais. C'est le gars mon pote. 200 mec, t'imagines? Il m'a donné 350 ouais. Depuis que je fais des vidéos, depuis que je fais des lives. C'est ouf ce gars. C'est un ouf. Au départ tu vois il faisait juste des 5-50 tu vois. Il faisait pas ouais. Des trucs énormes. Et là mon pote 200 d'un coup j'étais genre what? T'as dû être mad mon gars. En vrai ça m'a choqué tu vois après genre ouais. Je lui ai parlé sur Skype et tout il me fait ouais c'est ça m'a fait plaisir mon pote t'es vraiment le youtubeur préféré et tout. Ouais, Dans 2 mois je vais faire un litige pas moi je vais tout récupérer c'est trop bien. J'espère qu'il va pas faire de litige en vrai hein, parce qu'après moi je suis dans la merde. Ce serait trop bad. Mais je pense pas parce qu'il y en a qui m'a fait depuis un mois et il a pas depuis il y a un mois j'ai commencé à stream. Il m'a fait il y a un mois et puis ça l'a pas il a pas dit litige donc je crois qu'en fait il achète des cartes prépayées Visa, comme moi, et puis en fait il fait des dons. Attendez, je... mais oui, mais si tu t'endors, ouais, je vais te move, on va pas te réveiller, nous. Mais non, c'est bon, t'inquiète, vous me réveillez pas. Oh là. Après, elle va ronfler tout, et les gens vont se moquer de... Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Bon, ok, dors. Donc, je disais... Qu'est-ce que je disais? On parlait de quoi en fait? Oh il va me faire un litige les gars. Ah j'arrête trop ouais. Le seum en vrai il fait ça. Ici on va monter ça de 1. Comme ça. Ah
Putain, là je commence à galérer pour la monnaie. Comment ça, t'es à combien? Je suis bloqué à 20 000 là, je galère. Ramasse de la redstone, ça se revend bien. T'as pas des farms à golem ou quoi? Ici. T'as pas eu à la vitesse que ça monte? Ça monte vite, hein. Tu fermes ta masse, tune. Juste que tu sais pas farmer, gros. Mais Frostizer, ils m'ont aidé. Tu fais quoi toi? Tu fais que les pastèques? Non, je mine. Je mine, je fais pastèques. Bah oui, mais voilà, tu mines, mon pote. Qu'est-ce que t'es con quoi? Fais pas ça, t'es vraiment con ou? Mais si, parce qu'il faut que je ramène des minerais. C'est de la hesse. Putain. Moi je vais aller farmer, ouais, farmer. Pas les couilles. T'as pas une pioche shield touch ou une hache shield touch? Hache, ouais. Tu me la fais là? C'est mieux fortune ou shield touch? Shield touch. Okay. T'as direct le bloc. Ok. Tu me la files, je mettais pas toi? Attends, je mettais chaud et femme là. Ok, pas chaud et femme là. C'est bon, tu l'as. Merci ma poule. Rien. Tu veux, je t'en enchante une. Ouais, je veux bien parce que moi j'en ai pas en fait de hache de farm. Ouais, oh si ouais. Il fit 5, mon pote, t'es ouf toi. Désolé, je répondais. Ah, ma mère veut savoir ce que je veux bouffer pour souper. Mais en fait, j'hésite entre le McDo ou le kebab, tu vois. Ah ouais, mais c'est vrai, putain, j'allais dire qu'est-ce que tu vas bouffer à 2h du mat, mais il est pas 2h. Bon. En vrai, ça sert à rien. Pourquoi il a fait autant de champs de canne à sucre? La canne à sucre sert à rien. Remplacez-moi ça par des champs de... Mais pour les livres. En vrai, posez rien aux FM. Pourquoi? Ouais, c'est claim. Non, je me suis fait déjà qui route des trucs. Bah c'est moi qui a tout pris, t'es con. J'ai pris en plus au début de l'épisode. Mais c'est pas des coffres privés, au F1 mon pote. Y a ses claims, mec, tu crois quoi? Tu veux, je peux donner une efficace fortune 3. C'est écrit coffre à chacun. Je te donne les quoi? Tu veux, je peux donner une fortune 3 et 4. J'en ai déjà une, mais je voudrais si touch dessus, tu vois. Ah. Tant pis. Mais Black, pourquoi tu prends tout ça? Ça sert à rien. Remplace ça par des champs de melon, non? Non, je vais faire des livres. Ok, mais laisse pas autant. On fait juste du ligne de canne à sucre, le reste on transforme en champ de melon. Moi j'en fous, je suis un peu ici. Hein. Je vais mettre un panneau pour dire qu'il faut changer. Azwa. Tu te souviens d'Azwa, Black? Ouais. Sur Minecoin. C'est un Québécois aussi. Ouais. Sur Minecoin, ils avaient aidé à piller une fac. Donc je vais mettre un... Mais quoi, il était trop fort. Ouais, on était OP mon pote, faut pas que tu le dises ça. On était cheaté. Non, en vrai les gars, sur Minecoin c'était le plus beau serveur qu'on a fait, moi et Blackbird. Pourquoi? Ben on vous le dira un autre jour dans une vidéo mystérieuse. Vous allez voir. Ouais, j'ai tourné la vidéo des 8K, genre j'attends juste d'avoir les 8K, mais j'ai tourné la vidéo des 8K, puis j'aimerais savoir qu'est-ce que vous voulez à part ça, parce qu'en fait j'ai juste fait une vidéo genre remerciement avec un petit concours, mais je voulais savoir ce que vous voulez quelque chose d'autre avec ça, dans le fond pour les 8K, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, changer, champ, melon, please, icons, voilà, comme ça, je la flamme, 200 jours, le jour, 5 plus. Attends, what the fuck? J'ai rien compris ce qu'il a dit lui. Je vais juste miner tout ça les gars. Et comme vous voyez, ça pousse méga rapidement là. C'est vraiment très 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 rapide. Donc avec la farm qu'on est en train de faire avec Blackbird, on peut facilement se faire les 20 000. Donc on aura pas mal. Toute notre farm aura les kits. Donc ça va être... Toute notre fac aura les kits. Donc ça va quand même aller super vite. Après, on va juste miner des trucs à spawner. Puis on va vraiment faire... Je pense qu'on aura fait le tour en vrai quand tout le monde aura les kits. Il n'y a pas grand chose à faire à part des pillages peut-être. C'est pas... Ouais, y a pas grand million de trucs à faire. Les KOTH, je vais vous dire franchement les gars, c'est de la grosse merde. non mais c'est vrai mec, on a oui, fait. C'est de la grosse merde. Hein. On en a fait un. Premièrement, c'est 8 minutes de capture. C'est beaucoup trop. Et ensuite,
C'est juste le cottage, le château, il est super mal fait. T'as pas de coin où est-ce que tu peux camper, donc tu te fais toujours pousser out. C'est impossible. Les gens viennent juste avec des codeurs, ils te poussent à l'extérieur, donc c'est impossible de tenir 8 minutes. Et surtout, à la fin, genre là, il y a personne qui capture, ben ça se termine et t'as tout perdu quoi. T'as perdu ton 30 minutes, 45 minutes quoi. Donc je trouve ça un peu triste, mais bon. En quelque sorte, ça reste que c'est pas si mal que ça là. C'est pas un mauvais KOTH là. C'est un bon KOTH, disons ça ainsi. Donc voilà. Je pense que je vais vous laisser là-dessus les gars. Donc on a bientôt fini la farm avec Blackbird. Il va juste falloir qu'on aille chercher des œufs, je crois, pour faire les pousses. T'as déjà fait pousser les pousses ou pas? Mais non, mais en fait, vous avez vu que vous vendez tout, on n'a même pas de charbon. Ah là là. Ah là là. Je vais tuer le creeper que là avant qu'il explose. Moi j'ai 29 charbon. Super. Moi j'ai... trouvé 9, mais c'est la vie. Tiens, j'ai... Tiens Black. Je te donne ça. Ça fait de la poudre. Tiens Blackbird, t'as de la poudre mon beau. Mon beau Blackbird, c'est à ton tour. Coffre de Johanna. Je vais mettre juste au-dessus du coffre de Johanna. Coffre de Icons, voilà. Et là, Icons, il va mettre rien du tout dedans. Comme ça, comme ça. Comme ça. Et il faut que je vende toujours ces stacks d'obsidienne là, j'en ai rien à foutre de ça. Faut que je les vende. Attends, j'en ai 6 en fait au total je crois. Mais tu demandes dans le chat, tu dis y a pas quelqu'un qui veut des stacks d'obsidienne. Est-ce de la money? On va voir si quelqu'un va acheter. Donc moi les amis, je vous laisse ici pour cet épisode-ci. On va se retrouver dans le prochain épisode. Je sais pas ce qu'on va faire. À la base, je voulais construire... je vais construire un truc ici, hein, la farm, donc c'est presque terminé, mais ça fait longtemps, je vous ai montré un peu tout ça, au calme, et puis, je vous dis à bientôt, laissez un pouce bleu si ça vous a fait plaisir, on se retrouve très bientôt, bisous, haha!